Bien salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samoud87. Pour ma part ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie sur la carte Origin Remaster. Dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer comment sortir facilement de la carte. Dans ce glitch, pas de knife lunge ou autre glitch complexe à réaliser. Il vous suffira simplement de faire un petit jump à l'endroit que je vais vous montrer par la suite. Ce glitch est vraiment très facile à réaliser. Dans ce glitch, vous pouvez récupérer les bonus. Vous êtes invincible aux zombies ainsi qu'aux panzers. Donc c'est vraiment un énorme glitch en after patch. Donc j'espère qu'il vous plaira à tous. Je tiens à préciser que j'enverrai notamment ce glitch à la glitch.fr en espérant qu'il m'upload, pour tout simplement le faire partager un maximum à la communauté. Pour réaliser ce glitch les amis, rien de compliqué, vous allez tout simplement devoir vous rendre au même endroit que moi dans la vidéo, à savoir au Tank Station, donc l'endroit où vous faites les napalms. Vous allez tout simplement activer le char, et vous allez voir que ça va être très rapide. Une fois que je vais avoir passé le ravin, il va falloir vous mettre tout simplement de l'autre côté du char, donc sur le petit rebord, comme je le fais dans la vidéo. Alors là vous voyez que je passe le petit virage, et dès que j'ai passé le virage, hop, je me laisse tomber sur le côté gauche du char. Et normalement, si vous vous laissez tomber au même endroit que moi dans la vidéo, vous allez tout simplement être wallbrush par le char. Donc, ce qui est très important, c'est de bien regarder l'endroit précis où je tombe du char. Voilà, c'est juste ça qu'il faut bien regarder. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et à regarder l'endroit précis où je me laisse tomber du char. Et normalement, si vous vous laissez tomber comme moi, je viens de le faire dans la vidéo, vous allez être wallbrush directement en dehors de la map. Donc une fois à l'intérieur du glitch les amis, la vidéo n'est pas encore terminée, il me reste plus qu'à vous montrer comment bien se placer dans le glitch. Car en effet, une fois que vous êtes à l'intérieur de ce glitch, il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir à vous. La première, c'est que vous êtes dans un endroit où les zombies ne sont pas du tout attirés par vous. Comme vous pouvez le constater à l'image, là où je me trouve, le zombie ne vient pas du tout vers moi. Donc je vais vous montrer tout simplement où vous placer. Il faut savoir aussi que selon les endroits où vous vous placez, si vous êtes proche des zombies, à des endroits où il n'y a pas d'obstacle entre vous et les zombies, ils pourront aussi vous taper. Donc je vais tout simplement vous montrer l'endroit précis où il faut se mettre dans le glitch pour être invincible aux zombies et aux panzers et pour pouvoir récupérer les bonus. Donc là vous voyez que j'essaie de chercher un endroit où les zombies viennent vers moi. Là vous allez voir que le zombie essaye de me taper mais qu'il n'y arrive pas. Et là dès que je me décale à un endroit où le zombie peut me voir, il arrive à me taper. Donc vous vous mettez bien comme je le fais dans la vidéo, pile devant cette pancarte. Et une fois que c'est fait, comme vous pouvez le constater à l'écran, les zombies sont complètement buggés devant moi mais ne m'attaquent pas. Mais également le panzer, comme vous pouvez le constater à l'image, il est tout simplement venu dans la carte mais n'est pas du tout venu m'attaquer. Il est resté planté en plein milieu devant moi tout simplement. Et je peux donc allègrement le tuer sans difficulté. Alors pour rentrer dans ce glitch, je vous conseille néanmoins de faire un bâton, celui de votre choix, ainsi que de vous munir de deux batteuses. Donc ça peut être le collisionneur, la dingo, la BRM, ce que vous voulez, mais une grosse batteuse. Là vous pouvez constater à l'écran que je viens de pouvoir récupérer les bonus dans la mesure où les zombies sont suffisamment collés à moi et que vous les laissez tout simplement bien se paquer devant vous. Normalement vous n'aurez aucune difficulté à récupérer les bonus. Je vous conseille notamment les amis de rentrer dans ce glitch grâce à la gomme expérience de mort imminente. Je vous conseille fortement de l'avoir pour faire ce glitch. Comme ça si vous fail ou qu'il vous arrive quoi que ce soit comme problème, tout simplement, même si vous mourrez, vous ne perdrez pas vos armes et vos atouts. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les potos à vous abonner, partager, liker les vidéos, parler un maximum de la chaîne autour de vous afin de me faire connaître et qu'on atteigne la barre des 5000 abonnés. N'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. La vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Merci à la glitch.fr s'il m'upload. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.